Eh bien, bonsoir, bonsoir, bonsoir. En ce mardi soir, 18e session. Et on n'a pas fini. D'Assassin's Creed Valhalla. Ouais, c'est ça. On n'a pas fini parce que bon. 18 sessions de 3 heures à peu près. Il m'annonce 44% du jeu fait. Bon. Bon, après, les pourcentages, généralement, c'est que sur la quête principale. Donc. Vu que je fais beaucoup le tour avant la quête principale, je vais peut-être finir les derniers pourcentages assez rapidement, les derniers. Enfin, la moitié, quoi. Bon. Visiblement, une petite mise à jour aujourd'hui de 15 gigas, d'après ce que j'ai vu. Ça ajoute pas grand contenu de défi, visiblement, d'après ce que j'ai lu. Car pas de nouveauté pour tout de suite. Et voilà. On va aller sur le jeu. Comment il s'affiche. Ah, c'est derrière la caméra. Du côté. Caméra 2. Défi de maîtrise disponible. Le nouveau mode de défi de maîtrise est disponible et propose de nouvelles quêtes et des équipements et modifications esthétiques uniques. Les shops de Vang propose de nouvelles armures. Mais elles sont réservées à ceux qui ont maîtrisé le premier pack de cartes d'attaque fluviale. J'ai pas beaucoup fait les attaques fluviales. Contenu débloqué. Ok. Caméra! Eivor, tak felicidas! Eivor, vescu denga! Si vous le dites. Quels sont les objets hebdomadaires? Bonjour, bonjour. Qu'as-tu aujourd'hui? Monture d'apparence effrayante, ouais. Canon anti-aérien, ça fait un peu bizarre, je pense. Ok. Je dois prendre congé. Adieu. Va, tu pourras me retrouver ici. Tu bouges jamais. Du coup. Non, c'est rien à voir avec les compétences. Ah! Ils ont ajouté de nouvelles. Ah oui. Visiblement avec ce patch. Alors qu'est-ce que c'est en bleu? Irrésistible. Au combat, le Sprint Devour peut être arrêté. Non. Ok. Bah, je prends. Votre corbeau récupère du butin sur les situés lors d'une attaque à distance. Ok. Mais je voulais voir si c'était les 4 à la base. Parce que là, c'est un peu le bordel de ce que je fais. Histoire de la potion où j'avais passé 3 heures la dernière fois. Cent, j'imagine que c'est la zone que j'avais commencé la dernière fois. C'est ça? Si, c'est ça. Je vais continuer cette zone sûrement. Collecter les plantes. Ah, les plantes à collecter sont ok dans cette zone-là, c'est pour ça. Je vais continuer cette zone. Ce serait cool que je fasse une attaque ici, mais il me faudrait un port et le port le plus proche est. Et là. Ok. Le focus. Un petit tour en bateau. Un grand tour en bateau. Non dire, Grippard. C'est le côté.
fichons le camp d'ici. Oui. On ne peut pas hisser la voile. Une chanson maintenant. Allez, petit voyage. Les gardes sont vigilants par ici. La voile! C'est la voile! Plus de voile! Ok, pour le truc automatique, on en reviendra. C'est la voile! Chantez, les corbeaux! À la voile! La voile. En toute franchise, plus que vous faites, plus c'est la même chose. Speed, my words gain wings. All things need I forth will bring. For noble deeds thine honor sing. The brave man slain. C'est celui-là ? Je m'endorme pas. Oh non, j'en suis bien. Par contre, j'ai débloqué un nouveau point de déplacement du coup. Mais c'est pas encore ici. Then horns resound the mighty hall. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear. Each man gets his fated share of blood red surge, the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. Beaten blaze of trail of breath, loathing gaze upon the dead, the horns resound. Allez, tu es super. Oh, calmez-vous, 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 j'étais tranquillement en train d'écouter. Alors, il y a des pièges qui peuvent être posés visiblement. Alors, je vous ai bougé pas, ça tombe bien. C'est facile pour moi à viser la manette.
Et sinon, comment on casse le truc là? Est-ce qu'il y a un point de, d'ancrage? Je suis obligé de finir à pied, mais ce serait compliqué parce que bon. Le but c'était de faire un pillage quoi. Je sais même pas si du coup je peux faire quelque chose là-dessus. C'est ce chemin. Parce que les autres c'était des. Plus de toile. J'ai envie d'une chanson. Je suis pas sûr que ça marche là. Et passer sur le côté, je crois pas une seule seconde, c'est un peu gros. Est-ce que c'est tout le temps là? Si je te paye ici. Est-ce que ça va dépop? Hey! Allons-y! Hissez la toile! Allez, une chanson! Bon, c'est reparti, je sais pas à quel endroit. On était à moins de 500 mètres. Et on avait mis le mètre. Ah, il y a un mini boss dans le coin, ouais. Je s'en souviendrai peut-être à la fin. Merci beaucoup, je crois en plus. Voilà, est-ce qu'il y a encore le piège? Alors, je le vois pas, mais est-ce qu'il charge à la dernière seconde? Ouais, c'est bizarre. Donc c'est un vieux piège qui revient à chaque fois. Ah! Mais en mode bourrin, ça passe. Ok, c'est tout ce qu'il fallait faire. Prendre un peu de recul et foncer. Oui, d'accord, c'est vrai que si je. Donne pas d'impulsion. C'est le mât. Visiblement c'est ici qui font les cloches. Hé, par ici. J'ai cru que j'allais m'enflammer la gueule encore une fois.
Et matière première. Ok. Ça brille d'abord. Ça brille ici. Comment on rentre là-dedans? Ah. Ok. Où est l'entrée? Ouais. J'ai quelqu'un doit m'aider, voilà. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Pas de garde à l'intérieur. Hé, quelqu'un peut m'aider? Ah oui d'accord. Pas faire une attente devant le cimetière dessus. Ah quoi que. Voilà. Il me faut de l'aide. Un coup de main par ici. Il est juste à côté de toi. C'est fini. J'aurais dû filer pour y avoir. Maintenant à l'assaut. Je te pourvois. Pas seul. Non. Tu veux casser le pot visiblement, mais n'hésite. Monastère de Tom Bury. Terminé. Encore deux petits points quand même. Et l'autre ciblé. Voilà. Non, c'est pas ramassé? Okay. Parce que je l'ai fait qu'il restait un peu plus longtemps.
tac, voilà. Avec un accès par derrière. Ok. Ah, oh, fait chier. Ça, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas. Bon, tout va bien. Tout va bien. Non, la maison n'est pas en feu, ce n'est pas vrai. Ok. Peut-être que je ramasse la pierre ici. Et pour le monastère, c'est fait. Bon, généralement, il restait à côté pour dire qu'il y avait du loup, mais non. Sur le pont ou sous le pont? Hmm. La bonne hauteur, c'est en dessous. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est pour donner des informations, je crois. Le vendeur d'informations. Ok. J'ai toujours un bruit de cheval. Une quête secondaire. Ah, les amanites du mouche. Alors, qu'est-ce que ça va être comme défi? Défi hallucination, observez les signaux et franchissez les portes dans le bon ordre. Nous avons combien de portes? Une là-bas. Une deuxième ici. Et j'imagine une troisième ici. Non. Un, deux, trois, quatre. Quatre portes. Bon. Tu te calmes déjà. Qu'est-ce qui pourrait m'indiquer que l'ordre 1, l'ordre 2, l'ordre 3? Est-ce que j'ai des écrits? Non. Là, j'ai l'impression que c'est le feu, nature, eau. Le dernier, c'est vent, mais... Ceux qui volent, on va dire vent. Qu'est-ce qui signifierait un ordre? Ces quatre éléments. Je peux monter en face. Est-ce que cela m'indiquerait quelque chose? J'ai quoi? Du feu, j'ai du poisson. J'avance, qu'est-ce que j'ai? Du feu. Au feu.
vent à la fin. Et l'autre au milieu, je sais pas ce que c'est. Donc ce serait au feu, l'autre, et voir à la fin. On va essayer. Eau en premier. Il y a du poisson, il y a la pêche, il y avait le bateau, ça a tout indiqué ça en premier. Ok. En deuxième, le feu. Toi. Il y avait des gens carbonisés, voilà, on les retrouve ici. On est d'accord. C'est ça. Il y avait des oiseaux en dernier, donc ici ce serait nature. Il y avait pas mal de racines, donc ouais, ça serait ça. Et du coup, vent pour terminer. R. C'est ça. Pour acquérir la sagesse, voyage au loin, car tout est trop facile chez soi. Et l'on se moque des ignorants assis parmi les sages. Amanite, tu mouches. C'est bon, je suis là. Ok, sûr. Qui se fait agresser par rien. Bon, hallucination. Si les abeilles te gênent, petit, tu devrais peut-être t'éloigner. Mais j'ai besoin de miel, juste un peu. C'est pour mon amie. Elle ne mange que ça. Mon amie adore le miel. Elle aime tout ce qui est sucré. D'accord, j'imagine que son ami n'est pas humain. L'animal qui aime bien le miel. Je veux juste en récupérer un peu. Elle n'en manque pas. Je vais me faire attaquer par les abeilles, c'est ça? Elle est très gentille, mais si elle n'a pas son miel, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord. Tu as le miel? Oh, merci. Et donc? Ça a l'air délicieux. Laisse ça sur ce rocher et elle va venir. Ok. Quel rocher? Ah bon. Maintenant je me dis qu'il s'est fait tout seul. Et je l'ai déposé nulle part. Quelqu'un qui habite là-dedans? Je vais sur le rocher. Ah là. Là-bas, près de là. Ouais, bah, fallait le dire plus tôt. Vite avant son arrivée. Bon, après une porte, c'est tout ça. Qu'est-ce qui va venir? Une sorcière? Viens t'asseoir et l'attendra avec oui, moi. Ça, j'avais compris. Elle ne va pas. Winifred s'occupe de moi depuis la mort de mes parents. C'est ma meilleure amie. Les autres enfants se moquent de moi. Bah, parfois, on va voir pourquoi. Ils me lancent des pierres pour me chasser. Et m'appelle le guetteur crasseux de la forêt. Winifred m'a sauvé la vie. Je reste assis. J'étais recroquevillée sur l'herbe et je priais pour que Dieu m'emmène aussi. Et elle a fait peur aux loups. Bah, il y en a un justement. Voilà, ah. Winifred. C'est un ours. Winnie l'ourson, allez. La meilleure des ours. Winifred. Chaque jour passé avec toi est le plus beau de même ma pas vie. Fait gaffe. Alors, aujourd'hui est mon nouveau plus beau jour. Ce gentil étranger t'a trouvé du miel. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ouaf. Eh bien, tout ce miel a dû te donner soif. Tu vis vraiment tout seul dans la nature, petit? Mais non, je ne suis pas seule. J'ai la meilleure des ours avec moi. Au revoir et merci. De rien. Viens, Winifred. Ça te dirait qu'on aille jusqu'au lac? On pourrait s'éclabousser dans les roseaux. Ok.